Ok, synchronisation son image. Moi, mon parcours, bon, il y a quelques années de ça, c'était l'école du théâtre national de Chaillot. Voilà, donc avec des bases classiques de théâtre dit classique, et puis après pas mal de jeux pour différentes compagnies. Pendant une dizaine d'années, j'ai beaucoup joué en Île-de-France, en région, à l'étranger, des classiques, des contemporains, des comédies, des drames, des tragédies. Bref, au final, plutôt un comédien polyvalent et qui me sert beaucoup maintenant en tant que pédagogue. Voilà. Alors, pour moi, le principal axe pédagogique dès le départ, c'est inculquer un esprit de troupe de théâtre. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de théâtre s'il n'y a pas cette solidarité entre les comédiens et comédiennes. Les premiers mois sont très importants pour constituer ce groupe par des exercices ludopédagogiques. Voilà, je cherche vraiment est-ce qu'il y ait une bonne entente. Alors toi qui me regardes derrière la caméra, je peux te dire que tes petits camarades du mois de septembre, tu vas les regarder un peu bizarrement, mais après, je pense qu'au mois de juin, ce seront de vrais amis. Un cours pour moi bien réussi, c'est d'abord un training sur le corps et la voix. De la bienveillance de ma part, des conseils concrets, parce que je trouve que parfois, dans beaucoup de cours, on donne des conseils un peu psychologisants qui ne servent à rien ou trop abstraits. Moi, je donne vraiment des conseils concrets puisque j'ai une expérience de comédien. Moi, j'insiste aussi sur la notion de loisir artistique. Alors, le loisir artistique, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes là pour vous amuser, passer un bon moment, mais également pour apprendre des choses sur le théâtre. Il y a une certaine exigence quand même que j'ai. Et on n'est pas, entre guillemets, au Club Med. Voilà. Alors, quel texte j'aime monter? Quelle pièce j'aime monter? Ben justement, j'ai fait une petite confusion. Justement, c'est déjà l'existence d'un vrai texte. Alors, ça peut être du classique, bien évidemment. Avec mes cours avancés, j'ai plutôt tendance à monter des pièces. Ça peut être Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Don Juan revient de guerre de von Horvath, que j'ai monté cette année, mais du Shakespeare que je peux bien évidemment condenser parce que c'est très long Shakespeare. Après, avec mes groupes débutants, en règle générale, on prend une thématique, l'hôtel, le palace, le musée, le mariage, cette année le théâtre, et puis je vais choisir des scènes dans différentes pièces, je vais faire un petit montage avec un fil conducteur, et puis en règle générale, c'est des pièces plutôt drôles. Donc on va dire que chez les débutants, c'est plutôt un montage de pièces drôles, et chez les avancés, c'est plus du classique, mais ça peut être de la comédie classique aussi, et du drame, de la tragédie, etc. Voilà.